Les Panthères du Gabon affrontent ce mardi la Gambie, une confrontation relative aux qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Les supporters gabonais, déjà enthousiastes, restent confiants pour une victoire face aux Scorpions de Gambie au stade de Franceville. Allez les gars, on est derrière vous. On a un très bon groupe et puis je pense que vu la différence de talent, on peut gagner ce match. On sera là-bas pour les soutenir. Nous sommes toujours avec eux, on est toujours soudés. C'est l'équipe, ça représente, c'est le pays en fait. Il faut que nous, on est là pour eux. On est travaillé là pour eux, dur là pour eux. Ils attendent. Par le passé, on n'avait pas cette qualité des joueurs. Je fais confiance au milieu de terrain parce que des gens comme Kanga Gaylor ont brillé dans leur championnat. Ils ont même gagné le championnat. Et j'ose espérer que... avec le 12e homme, avec le public, on va essayer de pousser au maximum cette équipe pour espérer aller en Coupe du Monde. Quand on voit l'équipe du Gabon, les Panthères, au niveau de la Coupe du Monde, c'est beau à voir. Donc j'encourage beaucoup, surtout les supporters, de venir encourager l'équipe nationale massivement. Je pourrais juste leur demander d'être concentrés. Pas de distraction, il faudrait que tout le monde essaie de jouer son rôle. Je sais que le moral est là présent. Je sais que le Gabonais, il est conscient que le chef d'État est sur place. Donc ils vont donner de leur mieux, ils vont faire de leur possible de rendre honneur à la population. Une victoire leur permettra d'engranger des points. Le président de la transition en séjour dans le Haut-Togo effectuera également le déplacement pour apporter son soutien total à l'équipe nationale des Panthères du Gabon.